Du jamais vu! Du haut de la tour, Icare du Tour va sauter devant vos yeux! La semaine du dessin animé du 2 au 8 mars, Bruxelles et Liège. Vous retrouverez vendredi prochain, je répète, vous retrouverez votre écran témoin, quatrième film du cycle consacré à l'écran diabolique et un film pas mal dans le genre puisque vous pourrez suivre en première télévisée le film que Richard Donner a tourné en 1976 avec Gregory Peck et Lee Remick. Il s'agit de La Malédiction. Revenons ce soir, j'espère que vous avez passé quelques sacrés moments avec Poltergeist. Enfin, heureusement, tout ça, ce n'est que du cinéma. Tout de même, avant d'aller vous coucher, jetez un rapide coup d'œil sous votre lit, histoire de vous endormir, disons, plus calmement. Mais surtout, n'éteignez pas tout de suite votre téléviseur, d'abord parce que les vrais fantômes, les vôtres, pourraient bien commencer leur sarabande. Ensuite, parce que René Thierry vous attend pour les dernières informations de la soirée et qu'après cela, il sera environ 22h50, histoire de vous défouler un peu. C'est Roxbox qui vous sera proposé. Roxbox avec, parmi d'autres, Duran Duran, Les Avions, Niagara et aussi un entretien avec Dirk Okasek. Mais pour l'heure, place à JT Dernière. Une affaire de fraude de beurre, dénoncée à Namur. Pas de preuve de faux dans l'affaire des galeries en SPAC. Pour le reste, il y a prescription. Mort d'Edgar Jacobs, le grand-père de la bande dessinée. Cage, une pièce de Kafka avec un chimpanzé très humain. Notre invité, Olivier Todd, un critique qui se risque aussi à écrire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Olivier Todd, on vous connaît, on vous a connu comme journaliste au Nouvel Observateur, à l'Express. Vous n'avez d'ailleurs pas fait dans ces journaux que de la critique, vous avez aussi fait de ce qu'on peut appeler de l'information générale et même politique. Vous participez avec une brochette de vos confrères à un colloque au Théâtre Poème à Bruxelles, un colloque qui commence ce soir d'ailleurs, qui est en cours pour le moment et qui se poursuit demain matin et demain après-midi sur un thème en forme de question piège, pour ne pas dire de question suicide: à quoi servent les critiques littéraires? On peut se douter d'ailleurs, je pense, que la réponse ne sera pas entièrement négative à cette question. Et puis, parmi les critiques présents, beaucoup sont eux-mêmes des auteurs, ce qui peut peut-être parfois poser quelques problèmes.